Ah, c'est encore loin l'océan. Oh bah écoute, quand tu sens la mer, ça veut dire que soit t'es sale, soit t'approches. J'ai toujours été dans l'océan. Ouais. Très bien. Oh merde. Ah, il fallait voter. Non, il faut voter. Non mais c'est fait, c'est bon. Ah, je valide alors. Alors, une majorité. Le bounty du marin, pour commencer. C'est parti. Bounty du marin, donne-moi. C'est bon, t'es en train de manger sur nos gueules, Amaras. Oui. Ah d'accord. Ok, j'ai le bounty du marin, ensuite. Il nous faut Wanderer's Refuge. C'est quoi la direction? Wanderer's Refuge. Bah attends. Laissez-moi manipuler des voiles, là. Vous savez, c'est pas parce que c'est mon mari qui s'occupait de la voilure que maintenant je dois laisser céder à quelqu'un d'autre. Je suis devenu une femme indépendante. J'aimerais que tu m'apprennes tout de suite à manipuler cette voilure. À gauche, Lone Cove. Okay. Lone Cove, on a Smuggler's Bay. On a trois voiles sur le bateau, d'accord? La voile avant, la voile arrière. Ouais. Chacune des voiles ont deux manipulations. Donc il y a cette petite corde là qui permet de les descendre ou de les remonter. Je peux même pas te décrire ce que c'est. Il y a les poulies qui permettent de les orienter dans le sens du vent. En sachant quand tu regardes en l'air, tu vois des traits blancs qui s'écoulent. Tout à fait. Et tu dois essayer d'orienter les voiles pour prendre le vent. Donc tu peux t'entraîner sur la petite voile avant. Mm-hmm. Ça va la positionner correctement. D'accord. Pour ça, tu attrapes simplement la poulie et tu essaies de l'orienter jusqu'à ce qu'elle se gonfle. Ok, tu vas avoir du mal parce qu'on est face au vent. Donc il faut que je tourne dans le sens. De face de nous, juste à l'arrière. Donc t'auras du mal à trouver un angle, mais il faut essayer de trouver un angle qui rapporte un petit peu de. Il faut que je tourne. De gonflant. Voilà. Non. Donc là t'es au taquet, mais je pense qu'on n'aura pas mieux. Tu peux essayer de l'autre côté voir si ça gonfle un peu plus, ouais. Mais. C'est pas t'as vu à quoi ouais, j'en connais trois qui gonflent un peu plus. J'ai en face des yeux. Ok, on va essayer de naviguer déjà vers la première. Allez. Vers le Lone Cove, ouais. Ouais, donc plein est. Gonflé. Ah, nord-est. Gonflez-moi tout ça. Oh, oh, oh! Voilà. Là, on est pas mal. Donc là, on est en train de changer de cap. Donc, bien sûr, le vent, bah, il change d'orientation par rapport à nous. Il peut adapter le placement des voiles. Voilà, plus de puissance. Voilà, là, c'est pas mal. Voilure enclenchée. Je suis contre le vent. N'importe quoi. Pourquoi tu fais ça? Très bien. Voilà. Bah, écoutez. Je trouvais ça assez formidable. Écoutez, prenez exemple. Prenez exemple sur. Vous avez enlevé l'encre. Le pirate Amaras. Quoi, t'as l'impression qu'on avance pas? Non, mais je faisais. Mais si, on avance bien. Wow. Je suis une sirène. Droit devant. Tu sais que je la trouve pas. Je trouve pas cette île. Donc, meilleur, je te recommande de sortir ta longue vue et puis de surveiller les horizons si on n'a pas des. C'est ce que je fais. Qui viendraient nous attaquer. C'est ce que je fais. Je suis pas. Excellent, madame. Oh. Et pas magnifique, cette madame. Franchement, merci. Incroyable. Jeune homme, si mon cœur n'était pas pris par le corps de mon mari défunt, j'aurais cédé aux appels du fiefé félon que vous êtes. L'île qui est juste devant nous, là, c'est celle-là qu'on vise ou pas? Oui. Alors, on peut remonter la grande voile, je pense, dans pas tard. Mmh. Oui. Ça sera mes lignes de texte. Hein, D'accord, oui. Que personne ne clipse ce que je viens de faire. Non, personne ne clipse ça. Ça n'est jamais arrivé. Je n'ai pas tripoté. Non, mais j'ai eu les mains baladeuses. Voilà. Oh, c'est vrai. Si on peut me remonter la voile avant aussi. Ah. La voile arrière, laisse la voile avant naviguer. Je pense qu'on peut remonter. Attendez, je crois que. Cette madame, non, c'est un nain pirate. Je crois. Quoique, attends. Attends pour la voile avant. Encore tu un me petit dis. Pour Caracadrine, pardon. Excusez-moi. Pour les terres du milieu. Elles sont pas très bien orientées, les Alors, je crois remarquer une île devant. Ah, tu nous dis quand on approche, si on est loin, tu dis rien. D'accord. On est à environ... Je vais mesurer avec les pas. Vas-y, faisons ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est à 17 pas de l'île. Ça roule. Candidateur, bienvenue. Oui. Tiens, suis-moi donc, madame. Venez. Belle beauté. Oui, oui. Suivez-moi. Jeune signe. Je pense qu'il devait faire, coucou à Benny, mais Benny était même pas là en train de regarder. C'est. Oui. Regardez cette belle nature luxuriante. Je ne trouve pas cette île. Je ne la trouve pas. Je ne suis pas une île. Vous m'avez déjà trouvé, jeune homme. Oui, je sais. Quel est l'objet? Ah, je crois avoir entendu. Oui. Bonjour. Ouh. On a de la visite. Oh oui. Je suis. Non. Oh le dash. Oh joli. Putain, mais les squelettes ont des bananes, c'est pas normal quand même. Alors attendez. Oui, l'esprit de corps est vraiment plus fort. On est sur quelle île là? Attendez, est-ce que quelqu'un a surveillé le navire? Allez, oui, il y a Benny. En fait, on était sur le. Hmm. C'était bon sur l'autre plage, autant pour moi. Très bien. Il nous faut une carte. Par la beauté de madame, j'ai. Jeune homme! Arrêtez. D'accord. Mais pas trop. Décidons-nous, voyons. Comment ça se fait que je n'ai pas de carte? Tout ça parce que je suis sur. Si tu appuies sur eux, ça devrait aller. Oui, oh, ça va. J'étais persuadé que c'était par là. Plutôt triste. Hop. Alors, c'est laquelle de carte? C'est ça, ouais. C'est celle qui fait avec un trou ou c'est celle qui, on dirait, un petit celle qui ressemble à un cœur, en fait. Un cœur. Ah. Donc tu vois la croix rouge dessus, Maillard, c'est là où il faut... En haut à droite. Que dire Antoine Daniel, c'est l'île en forme de pistache. Ah ouais, bah là, on est... Ah, très bien. Oh, pas de la publicité pour les streamers qui débutent. Hein. S'il vous plaît. Ou les jeunes youtubeurs, s'il vous plaît. Ah. Je suis en train de voir une carte. J'ai des squelettes sur mon anu. Il est hors de question. Et que dirait votre mari dans ce genre de situation? Moi d'abord. D'accord. Voilà. C'était donc ce genre de couple, je vois. Oh, je ne veux pas en rajouter plus. Amaras, c'est tout bête. C'est, tu vois le bateau? Vous êtes oui. Où? Vous êtes où? Tu vois la plage sur laquelle... Où est-ce que vous êtes? Mais dos au bateau, tu vas tout droit. Où est-ce que vous êtes? Par rapport à la plage où t'es. Dos au bateau, tout droit, et t'arrives sur une autre plage. C'est la plage. Non. Moi j'ai déjà croisé ici, je trouve pas. Ah oui, non, mais on était déjà sur l'autre plage, mais j'ai pas retrouvé. Où est-ce que vous êtes? Garfnet, on veut une carte dans la gueule. Ça marche bien aussi au squelette. Non. Où est-ce que vous êtes? Comptez-vous. Je suis sur une plage. Très bien. C'est bien. Je vous rejoins. Donc la pointe de l'île, elle... Est-ce que vraiment ceci est une difficulté? Oui, on a besoin de votre aide. Mais je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Je cherche le bateau. Sur la plage. Ici, chez Ol, c'est l'autre plage. Quelle ah bah oui, plage. Vous me dites pas. La plage à l'est de là où t'es. La plage où on était tout à l'heure. Alors l'est, attends, je prends la boussole. Laissez-moi consulter ma boussole. Où est-ce que... À l'est? Oh. Très bien. On a perdu complètement, je ne sais pas où il est. Je... C'est pas grave, on ira le chercher à un moment ou à un autre. Je sais pas où est-ce que vous êtes. Je suis poursuivi par... Ah, je suis poursuivi par des méchants. J'arrive, madame. Mon mari, lui, il aurait fait quelque chose pour moi. Ah oui, je ne suis pas... Il a fait bonjour. Je suis pas votre mari, mais je vais... Alors... Donc, essayez de tirer en l'air pour voir. Où est-ce que vous êtes? Je me fais défoncer le fondement. Qui vient de tirer? Un squelette qui m'a tiré dessus. Ah hey, mais arrêtez de manger des bananes, les squelettes, là. J'ai cru que c'était madame. Ah madame, veuillez tirer en l'air, s'il vous plaît. Je me suis caché dans l'eau. Ah. En espérant qu'il n'y a personne. Je vous rejoins sur la plage. Sur la plage ensoleillée. Bon, alors... J'ai trouvé une caisse. J'ai trouvé. Ah, bravo. Et moi, j'ai un baril. Squalala. Par contre, c'est très embêtant. Parce que j'ai l'impression que je suis perdu. J'ai trouvé le bateau. Je te vois.
Là, j'ai trouvé le bateau. J'ai trouvé un boulet. Vite bien toutes les tu le trouves. C'est moi qui suis sur le bateau. Est-ce qu'il n'y aurait pas des bruits? C'est bon, la race gère. Très bien. Il assure ma protection pendant que je déterre le but. Merci. Oh, oh mon dieu! Merci, Ombre. 10 mois de soutien, je suis un petit ninja de 10 mois. Un Dix Ninja. Merci beaucoup. C'est bon. Un très grand merci à toi. Merci pour ton énorme banane, en parlant de banane. C'est je suis là pour vous escorter, jeune homme. Attention! C'était un porc! C'était un serpent. Ah, bon, au moins, ça va. Je vous escorte, vous êtes bien! Il y a un autre. Il y a un squelette qui m'agresse! Voilà. Voyez fuir! Il a un gun! Ah! J'ai loupé! Je veux bien être moche, mais à ce point-là. Non, vous êtes pas moche. Vous êtes. Vous-même. Vous êtes unique! Vous savez. Vous êtes pas moche, vous êtes unique! Vous avez une personnalité de visage. C'est ça! Vous êtes marquant. Oui, et habillé. Non, pas tout le temps. C'est vrai. Prouvez-le. Oh, oh, oh. Et là, présentement, par exemple. J'aime pas trop le copyright, hein. Présentement, je suis sur le, je suis en train de streamer, donc je suis obligé d'avoir des vêtements. Je dois être. Je ne voudrais pas perdre ma chaîne. Il suffit d'avoir un haut, le reste. J'ai défoncé les bananes. Ça c'est. Il avait dit dans quel sens il faut se tourner. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous allons aller au nord-ouest. Madame, vous pouvez me rejoindre là-bas? Je viens m'occuper de la barre. C'est une proposition, nous sommes tous. Deux secondes, je m'occupe de la banane et je vais aller chercher. Alors, la banane ou il suffit de toucher cette banane. La banane de la barre. En haut, à l'étage. À l'étage. Oui. Alors, longueur. Non, pas. C'est bon pour la longueur. Vous voulez pas vous occuper de la barre, là ? Non, non, je vais pas m'occuper de la barre. Je vais m'occuper de la voilure. Je vais essayer de maîtriser d'abord. Nord-ouest. C'est nord-ouest, c'est ce que je disais. Ah, non. Je vais d'abord ouvrir la voilure. Voilà. Là, ça va. Vous voulez aller vers où ? Nord-ouest. Nord-ouest, nord-ouest, nord-ouest. Très bien. Je m'occupe. C'est l'île qui est droit devant nous. Ouais. Non, mais laissez-le s'occuper de la voile. Hein. Il gère bien. Pour une fois que j'ose. C'est madame. Ah, très bien. Bah non, c'est dans le mauvais sens, là. Les choses ce soir. Non, non, c'est bon, c'est parfait. Ah, bah c'est fait exprès. Ok, très bien. Tout était prévu. Merci Vienne, juste une bise, un énorme merci pour cette superbe saison 4. Vous gérez tous, mais l'intensité de RP m'a bien surpris. Et ben ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Ok. Ok, alors attention, iceberg droit devant. Ce n'est que moi, hein. Attention. Oh là. Nous on va sur la grande île qui est derrière, hein. Pas la petite qui est devant. Hein. Écoute. On ne juge pas les gens par leur taille, d'accord ? Je connaîtrais certaines personnes qui passeraient leur temps à être jugées, donc... Alors... Allons-y, Alonso ! Mon mari m'a raconté... Oh ! Je peux toucher les sirènes du bout du nez ! On a un équipage parfaitement mixte ? C'est ça, non, moi je suis un homme. Ah bon ? C'est pas clair. Ah, tu me diras que madame soit une femme, c'est pas clair non plus. Oui ! Écoutez, c'est pas grave, problème. C'est une personnalité avant d'être un genre, c'est pas... Tout à fait. Voilà. Non, par contre, on a un équipage avec trois personnes. Allez-y ! Continuez ! Chargez-moi cette île ! Chargez-la fort ! Chargez-la dedans ! Faites comme mon mari aurait fait avec moi lors des soirées de... Non, très bien. Pas encore. Pas encore. On va rentrer dans l'île. Je peux gouverner le monde. Je peux gouverner le monde. Je peux. Madame, je vous inviterai à monter à la vigie. Ce qui va se passer est incroyable. La suite va vous surprendre. Je suis une sirène. Je suis une sirène.
Ah. Est-ce que c'est... Elle sait nager, la sirène? C'est une menace. Est-ce qu'elle sait nager? On a encore de la marge, hein, t'inquiète pas. Oh, j'aime pas trop comment vous parlez de moi, hein. Alors, la vigie. C'est sur le marché. Merci, Lydia. je l'ai vu tomber. Genre, alors, la vigie. Ouais. Oh, pardon. J'ai glissé, chef. Prends ma main. Est-ce que tu as confiance en moi? D'abord, la lampe. La voile arrière, c'est bon, vas-y. Je suis où? Ah. Ah oui, ah mais j'avais pas vu. J'avais pas vu. Donne-moi d'abord la lampe. Jafar. Jafar. J'étouffe. Pas de suite. Ah on se fait jamboniser. Oui, il y a un canon. Ouais, donc il faudrait aller le chercher assez rapidement. Je vais le chercher. Relevez la voile par contre. Là, on je peux bien, pas. On a largement assez de vitesse. Oh là. Est-ce que alors, tu peux tourner, Amaras, tourne. Pas tout de suite. Waouh. Ça a touché de ça. Ça a touché. Ouais. Voilà, maintenant je peux. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche. Si je chope le garnement qui s'occupe de ceci, je vous jure que je l'aurais fait les pieds comme mon mari m'aurait. Oh, ça va? Le boulet dans la tête. Ça va, j'y vais. Ils sont plusieurs. Vous m'abandonnez littéralement sur le bas. Non, parce que quand il y a un... quand il y a un canon, ça va. Mais c'est quand il y en a plusieurs que... Voilà. Je suis bon pour colmater, hein. Carglass... C'est ce que mon mari disait souvent. Vous avez déjà chopé, lui? Ah, il monte. Il est en train de se diriger vers les hauteurs. Oh, il vient charger. Il s'est lancé dedans. Il y a quelqu'un qui va aborder. Ah bah non. C'est béni. Ah, il avait vraiment une sale gueule, hein. Faut dire ce qui est. Ah, alors le bateau. Canon à force à longueur de journée, je peux te dire qu'à la fin t'as cette tête là. Non mais ça c'est les cheveux, c'est rien. C'est... Mais on juge pas les gens sur leurs cheveux. Ou leur manque de cheveux. Je t'ai l'encre. Ça veut dire que tu n'aimes pas les dreads? Alors, je pose ça là. Je t'ai l'encre. Non. Jean-Jacques, je pense sincèrement que si les Monty Python avaient voulu faire un sacre et Graal version pirate, ils auraient pas fait mieux que vous. Merci Jean-Jacques. Un grand merci à toi Jean-Jacques. Merci infiniment. Sois fort. Teddy ? Oui. Et reste sur positif, plage, comme dirait Brian. Il y a un truc qui flotte dans l'eau. Ils flottent tous en bas. Ouais. Là pour le coup. J'aimerais être une sirène. Ben, j'y suis allé. Yeah. Oh. C'était quoi ce cri? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait encore, la grand-mère? Non, ce qu'il y a, c'est que madame, elle vit ses petites aventures dans son coin, si tu veux. Elle est pas dans le même monde que nous. C'est quoi la mission qu'on vient faire ici, Amaras? Alors, on a... C'est l'île avec le trou, d'accord. Ouais. Mais c'est la pointe qui est tout à gauche, tout à bâbord du bateau. Je vois. Alors, par contre, il y a un navire qui approche vers l'île. Quoi ? Oui. Ah bon ? Il tire avec le canon. Mais c'est une go. Allez, les fausses infos, vous savez. Au bout d'un moment, il va être là, genre, il y a un bateau qui arrive sur nous. Oui, c'est bon, tu nous l'as déjà fait trois fois. Non, mais là vraiment... Vous êtes où ? Ah, c'est du bon boulot. Par contre, t'as des squelettes. Ouais, j'ai mon charge. Oui. Il me poursuit. Excusez-moi, le coup de Blunderbuss, là, s'il vous plaît. Oh là là. Je sais pas où est-ce que vous êtes, hein. C'est Raquel de Shanghai, là, qui me tombe dessus, là. Si vous pourriez... Où êtes-vous, madame? C'est... un endroit où il fait noir. Ah. J'ai besoin d'un petit conseil. Je compte faire du Hollywood. Pour composer maintenant, c'est éviter que mes joueurs partent en sucette. Bah tu leur en parles à eux, t'hésites surtout pas à en parler à eux, Don Slash, en tout cas merci. Il prend le meilleur dans ton groupe, parce que s'il fait comme dans CFC, c'est infini. Mais je vous cherche. Parles-en à ton groupe. On est sur le bateau. Ah bon ? On l'avance. C'est tellement dégueulasse. C'est tellement dégueulasse. Je suis poursuivi. Ah, très bien.
J'arrive. Occupez-vous de lui. Mes squelettes. Le twist. Rappelez Maillard, la femme de Pierre le Loup. Allez, on met dans le jour. L'homme qui crie au navire. Kraken. Kraken. Ah, parfait. Faut vraiment pas hésiter dans ce slash à en parler. C'est ce que mon mari disait souvent. Chiol, ils sont sur la plage, c'est bon, on peut se barrer. Yeah, oh oh. Revenez, bande de gardements. Surtout qu'on a déjà le vent en poupe, donc parfait. Allez, c'est parti, je descends les voiles. Vas-y, feu. Madame, mais... j'ai un raccourci pour vous, venez, remontez vite. Oui, justement, je cherchais remontez. Ce raccourci, justement. Venez vite. Mais où? Où? Ça ira. Bon bah je vais pas pouvoir partir avec vous alors, je suis vraiment désolé. Adieu. Non. Adieu. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Revenez, bande de voyous. Revenez! Alors tu peux faire attention, je pense qu'on a un romanichel à bord, voilà. Excusez-moi, monsieur, il va y avoir l'obligation de sauter de ce bateau. Vous ne laverez pas notre parquet, allez-vous-en. Je vais essayer de faire comme dans Fast and Furious et sauter sur le navire lorsqu'il va passer sous le pont. Mais on est déjà tellement loin. C'est ce que Benny a fait en fait, mais il l'a fait il y a 5 minutes. Donc maintenant on est plus sous le pont. Plein ouest, chef. Ah pardon. Mais... Comme on dit chez moi, bien sûr, au revoir, Shoshana. Mon mari m'aurait jamais abandonné. Ah bah, pourtant, vous parlez beaucoup de votre mari, mais on le voit pas beaucoup, hein. Il est mort. Ah bon mort. Bah oui. Vous êtes sûr? Mais tu suis pas le background. Non, non, mais vous êtes... Non, mais c'est pas une question de background, c'est que moi, j'ai un doute. Il faudra qu'on fasse des réunions avant les parties, maintenant. J'ai un doute, mais j'ai un doute sur les dires. Les gars. Non, mais on a le temps de se poser et discuter. J'ai un doute sur les dires de cette personne. Qui nous prouve que son mari est vraiment mort et qu'il l'aurait pas abandonné, vous voyez? Ah, ça a du sens. Le oui, twist, c'est que... Je suis mon mari. Je suis mon propre mari. Car à la base, je suis une grenouille. Je m'auto-fécond. Est-ce que tu peux prendre la sirène pour nous rejoindre? That non. You always find a way. D'accord. C'est un choix ou c'est que tu ne te vois pas? C'est un choix, elle reste sur... C'est mon deal maintenant, je reste dessus. C'est Samara, c'est l'équivalent de Colombo marin. Comme disait ma femme, j'ai entendu parler d'un certain marin qui aurait abandonné son épouse. Chose que je ne cautionne pas vraiment. Au lieu d'avoir un chien, il a un porc. Non, un petit singe. Mais un singe ventripotent. Je vous propose un vote. Oui. Oh non! Ah ouais, on en est là! Attention parce que là on fonce droit sur une île! Bah oui, mais c'est pas ça le but! Non, pas celle-là! L'île! Ah merde! L'autre qu'il y a derrière! Bah oui, mais moi on m'a dit plein ouest, alors je prends plein ouest! Alors j'ai vu dans le retour. Oh, on va tellement se la prendre! Mais non! Aucune chance! Ah! J'allais jeter l'ancre et tout le monde a voté pour me mettre en prison! Vous savez quoi? Attendez, ok, on va faire ça! La voile. Ok. Voilà. Ok. Pour la peine, je mange des pommes. Oh mon dieu. Il n'y a pas de pommes dans le jeu, ils les ont pas encore plémentées, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il est en train de manger? Je voulais sortir l'encre à Maras. Bonjour. Alors comme ça, vous m'aviez abandonné. Qui êtes-vous? Vous m'avez abandonné alors? Alors vous m'avez abandonné? Maillard, bois des billets. J'ai une hypothèse assez intéressante actuellement. La chose est la suivante. Si dites-moi. Le Kraken. Vous avez été sous l'influence de qui? Je veux savoir. Là, qui. J'ai agi de mon propre fait. Écoutez. Et qui est votre propre fait? Donnez-moi son nom. Il s'appelle Amaras del Lobo. Ouh. Eh oui. Manis, c'est l'île de vent, c'est celle sur laquelle on va là? Exactement. D'accord. Pendant ce temps-là, deux personnes. Parce que moi, je le retourne, de manière, il danse devant Maras. On est sur un équipage plutôt collector. Écoutez, j'ai bientôt fini ma pomme. Si je suis pas libre avant d'avoir terminé ma pomme, ça va mal aller pour vous.
Mais en même temps, il y a un timer avant de pouvoir t'alléguer. Ouais, je sais, ouais. Benning, faut un coup de main pour naviguer là, je vais pas arriver à arrêter le bateau assez tôt là. J'arrive. Tire l'angle dès que tu peux. Je tiens à signaler que ce qui va se passer, c'est de votre faute, madame. J'aimerais libérer Amaras. Il a fait preuve de bonne foi en se dénonçant lui-même. je crois en ce qu'il dit. Alors quand on est dans la cale, je peux vous assurer que le bruit qu'on vient d'entendre est horrible. Hein. Mais non, mais c'est juste qu'on avançait que. Ce n'est que moi qui dansais. Donc il fallait faire quelque chose. Mais non, voyons. Je vais vous libérer. Oh oh il m'a vomi sur le visage. Il a fait pire que ça. Il a vomi dans un seau et il l'a balancé au visage. Quoi? Voilà. C'est une bonne ambiance. Ça marche sur les Kraken aussi? Il a manipulé le bateau par pitié. Bah là, ça aurait été volontiers, mais vous savez, j'ai été enfermé. Moi, il est hors de question que, et je vous le dis franchement, il est hors de question que je ne m'occupe pas de mon prisonnier, car mon prisonnier, j'en prends soin, je suis une madame de parole. Vote pour le prisonnier. Ouais, j'ai voté pour le... Je sais pas où on est, mais ça fait peur. Je vais remonter la voile avant. Ah, bon. Attends, il y a déjà la voile arrière de monter. Jeune homme. Il y a du monde, mais pour implémenter du gameplay, il n'y a plus personne. Le vomi, c'est du gameplay. Le vomi, c'est la vie. On est où, là, du coup? On est à la bonne île, donc t'inquiète. Est-ce qu'on peut me dire où est-ce que je suis? Ah, mais on a pris... Très bien. Alors, on est à Sailor Bounty. Sailor Moon. J'arrive sur l'île. Alors Sailor Bounty, c'est quelle... La quête nous dit, sur Sailor's Bounty, un trésor important brave les affres du temps. Au mât brisé de Galion sur l'île principale, relisez ce parchemin, car d'un nouvel indice, vous aurez besoin. Donc cherchons le mât brisé sur l'île principale. Sommaire qui fait des coucous dans le retour, j'en peux plus. Le mât brisé. Oui. Ma vie de streamer, c'est... Ah putain, c'est cette île, c'est une île qui est ultra creuse. Oui. C'est la creuse. Oui, c'est la creuse. Ah, ils sont tous consanguins alors. Oui. Oh, les stéréotypes, bravo. Hashtag cliché. Ouais. Balançons. J'ai streamer. Pas dit qu'ils étaient auvergnats. RT si t'es creusois. Bah, déjà de base, si t'es creusois, tu peux RT, je crois. Oui, on va ça après. Oh, des... Mais comment est-ce qu'ils gèrent le mangeage de bananes? Bah, ils équipent la banane et ils font clic gauche. Enfin, pas clic gauche parce que c'est des liens, mais... Le mât brisé sur l'île principale? Oui. Parce que je viens de faire le tour de l'île. Je me demande si c'est pas dans les souterrains, le mât brisé. Bah ouais, j'ai peur de ça, en fait. Mais la dernière fois que... Moi, j'ai l'impression d'être avec vous en permanence dans un souterrain, hein. Donc la suite de la quête nous dit « Trouvez le campement désert de pêcheurs sur la plage de l'île principale et joignez la danse élémentaire. Comptez 9 pas au nord-nord-ouest et retournez la terre. » Comment ça se fait que je n'ai pas de lanterne? Tu dois en avoir une si tu appuies sur A et que tu cherches. Ah, mais les souterrains, ils sont sur ce style. Oui, ça va super loin. Il y a des coffres assez intéressants en général sur cette île. En général? Non. Sauf si t'es mal accompagné. Non, ça n'a rien à voir avec la compagnie. La compagnie est toujours bonne. Merci. Bonne de chargement. J'ai trouvé ça très rigolo. J'ai trouvé ça très très rigolo. Ah, j'ai trouvé un coffre en bas de mon setup. Ça a paru. Qu'est-ce qu'il fait, Benny? Il creuse au pif comme ça. Mais non, c'est pas ça. C'est un très très bel endroit. Ça s'appelle pas au pif, regarde, on a le coffre. Et c'est moi qui l'ai trouvé. T'étais loin de la marée, ça. Mais... c'est arnaque. Bon, dans mon chat, on dit Maillard n'a pas besoin d'une lanterne, c'est déjà une lumière. Oh. Vraiment, t'as très très bien... constitué une très belle communauté. Hein. Vraiment. Je suis... très très content.
éclairé. Oh, couché par la communauté. Parce que moi, ça me dérange pas. Hein, que... Tu as retrouvé le bâton? J'ai des squelettes. Oui. Oh, oh, oh. Bah si, 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 bien sûr que si. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Au secours. Au secours. C'est exactement la même idée que moi chez Hub. La même. De quoi? Ah, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant que j'ai encore 3 bananes. Oh! J'ai des amis! Ah ouais, vous allez faire quoi? Des amis plutôt placés. Là, il y a une espèce de gros squelette qui nage vers le bateau et... Ah mais non, c'est madame. Je suis pas un squelette. Non, mais pour moi, vous êtes tellement fine que de temps en temps, j'ai vraiment l'impression... Que vous c'est vrai? T'as quand même dit un gros squelette. Bah oui. Et alors? Tu peux avoir des gros os, hein, je vois pas. Ah bah, puis en plus, t'as jamais vu cette pub là où t'as deux gamins qui disent pour prendre des yaourts pour rendre les os costauds. Ah voilà, bah moi c'est pareil, je suis costaud. Donc, s'il te plaît, on va aller pas. Plein sud-est, s'il vous plaît, messieurs. Très bien, je m'occupe de la voilure. Non. L'est. Sud-est. Alors. On peut baisser de 3 quarts la grand voile. Je pense que vu le chemin qu'on a à faire, c'est pas déconnant. Allez. Voilà, parfait, merci. Il y a juste à gérer l'angle et c'est bon. L'angle, c'est un peu. Merci. De toute façon, moi j'ai toujours été plus nord-sombré qu'autre chose, hein, tu sais. C'est. C'est bon là? C'est parfait. En fait, c'est bon, il y a un énorme caillou qui est juste devant nous. Mais genre, on va se la lommer entre les cailloux, écoute. Mais on peut pas se la lommer là. Confiance. La manière, je vais faire un tuto sur les planches pour pouvoir accommoder le vaisseau. Alors, par contre, alors, c'est moi, très j'ai... dangereux ce qui se passe en face. Ah, il y a un poppy stop juste à gauche. Oh putain. Oui, poppy stop juste à gauche, bâbord. Oui, j'ai vu. Ah, en avant la mer. Ah oui, j'ai vu aussi. J'ai vu aussi. Voilà, donc du coup je me retrouve tout seul avec madame et ses bananes alors qu'on est en train de slalomer entre deux cailloux énormes. Je vois. Je fais de la musique, ça compte. Non, non, mais ça compte, c'est très important. Mais moi, les dernières paroles de la truite disaient « Attends, je vais te faire un tuto sur les planches. » Est-ce que vous avez eu cette formation planche, madame? Non. Pourquoi il y a des planches? Va prendre sur le tel, va prendre sur le tel, va prendre sur le tel. À un moment donné, il faut se mettre dans le bain. Ok, la rivière, qu'est-ce que je raconte? La sirène. Il y a beaucoup de boulets de canon. Hein. Non, il n'y en avait pas du tout même. L'azimut, c'était sud-est? Sud-ouest. Sud-est, t'as raison, sud-est. Ouais, oui. Parce que sud-ouest, on allait atterrir dans la mer de, sang, donc. C'est toi l'azimut? Oui. Waouh, c'est quoi cette île? Où ça donc? À bâbord? À bâbord, c'est un fort. Donc sur ces îles, en général, de temps en temps, tu vas avoir un crâne qui va apparaître. Et on va devoir tuer des vagues, des vagues, des vagues, des vagues d'ennemis. Ouais, ils sont peut-être... Ils veulent peut-être pas. Ils sont peut-être gentils. Oui, ah ils sont non, peut-être gentils. Bah oui, mais nous, est-ce qu'on est des forbans, des pirates? Oui. On est gentils? Non, pas trop. Au niveau du vent, les commandes. Dites-moi, c'est pas les voiles de galion que je vois, à l'avant du bateau? À l'avant du bateau? Mais oui, c'est clair. C'est les voiles de galion. Ah oui. Ça. À l'avant bâbord. Ah oui. Non. Ah oui, ici. Si. Ici. Ah, mais vous avez l'œil à ma race. Certainement. Vous le vois, Maillard, le galion? Je vais aller prendre un peu de la hauteur vis-à-vis de vous, jeune homme. Voilà. Alors. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Ils ont les voiles dehors, mais j'ai l'impression qu'ils avancent pas. Donc ils doivent avoir l'encre de baisser. Si, ils sont en mouvement, je crois. Hein. Avec toutes ces voiles là qui bougent pas plus vite, ça me paraît bizarre. Vous êtes souvent dans cette vigie. Je remarque qu'ils bougent peut-être dans le même sens que nous, mais c'est pas clair. Bonjour, monsieur. Il y a beaucoup de cailloux quand même, Maras. Vous êtes sûr qu'on passe dans ce genre de défi? Ça fait deux fois que vous manquez de confiance en moi quand même. Je vous ressemblez beaucoup à... Ça manque de foi me consterne. Mon père. Ah oui, non, c'est... Non, parce que là, à droite, il y a un caillou, à gauche, il y a un ventre. Au revoir. Vous avez vu le petit vent de sable, il y a un problème, c'est bon? Oui, oui, oui. J'ai vu. Alors, je vous fais confiance.
Non, mais après, vous vouliez que madame apprenne à réparer le bateau, non? Ah, ils ont viré le bord, le gagnon. Un banc de sable. Oh là là, mais je crois qu'ils sont, ils sont coulés. Ils viennent droit vers nous, hein. Non, mais ils ont plus de, ils ont plus de voile. Non, c'est que, en fait, on est en train de s'approcher et le chargement de texture vient de comprendre qu'ils avaient jamais eu de voile. D'accord. Ah, chargement de texture est-elle... est-il une manipulation spéciale de piraterie? Ils sont en train de descendre la grande voile. Tout à fait. Oui. J'allais dire la même chose. Ils sont en mouvement. Allez, bouge. L'île sur laquelle on doit se rendre, c'est laquelle? Elle est encore très très loin. Ok. Elle est devant nous à tribord, genre, mais loin. Alors, est-ce qu'ils ont envie de surveiller ou pas? J'ai pris des boulots au cas où. Parce que c'est l'île qu'on voit au loin à tribord. Devant nous à tribord. Sous l'orage? Non, ça c'est bâbord. L'autre bâbord, quoi. Exactement, l'autre bâbord. Qu'est-ce D'accord. qu'on a droit devant nous? Mais j'ai l'impression qu'il navigue. J'ai l'impression qu'il navigue tranquillement, mais on dirait qu'il navigue un peu perpendiculairement à nous. Oui. Ils nous ont vus, hein. Ils fuient et ils ont raison. Ils ont reconnu une madame avec nous. Voilà. Ils ont reconnu l'équipage de madame. Oui. J'ai une armée et nous avons madame. Nous avons une madame. Alors je confirme, c'est bien la grosse île qui est devant nous à droite. Et oui, je dis bien grosse île sans ne faire de fat-shaming. Ah, d'accord. Quoi? Attends, c'est l'île vers laquelle ils vont, du coup? Oui. Exactement. D'accord, parfait. Faisons ça, alors. Je n'aime pas trop ça. C'est pour la bonne explication. On pourrait mettre nos coffres à un endroit plus caché que là. Genre où? Sur les voiles en haut. Oh putain, ça va être chiant ça. Ouais. Alors. Non, non, mais attends, j'hésite à le faire en fait. Oh, bien vu, grand maïs. Est-ce qu'il faut que je m'infiltre chez eux? Ni vu ni connu. T'es un peu loin pour les t'infiltrer. Oui, mais est-ce que, genre, on arrive là-bas, je vous propose un point strat. On arrive là-bas, on les contourne, moi, je nage pour rejoindre leur équipage, je vole un déguisement, et que... Quoi? Je rase la moustache. J'écoute. Bonsoir, silence. Et, j'attends la nuit tombée. Je les égorge les uns après les autres. Tu attends qu'ils s'habituent à ton odeur, c'est ça? Je crois qu'ils nous attendent par contre. Ouais, bah en fait non, mais je pense qu'ils sont partis sur cette île pour faire quelque chose, mais nous aussi, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ils se sont canonisés sur l'île. Ah ouais. Ah non, mais ils vont sur l'île, eux, ils vont faire leur popote. Alors, je suis en train de me demander, et je préfère poser la question de suite, que fait-on? On est cool. Est-ce qu'on est civil? Non. Non? On est des pirates! Qu'en pense madame? Derrière. Alors. Pourquoi la lanterne arrière du bateau est allumée? Maya. Parfait ça.